Comme je l'ai dit, je vais vous présenter l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie, basé à Québec. Cet institut existe depuis quand même 26 ans, parce qu'il a été créé en 1988. Alors, donc, le monde de la francophonie, on est présent, il y a 57 États et gouvernements membres et 20 États observateurs. Donc, la francophonie est présente sur les 5 continents. Donc, je vous donne un peu la carte de la francophonie. Ça, c'est pour vous dire un peu que nous faisons partie, je pense que nous sommes dans la seule organisation internationale qui a autant de membres du système de la communauté des Nations Unies. Donc, sur les 187 ou 190, il y a 77 qui sont aussi membres de la francophonie. D'où l'intérêt pour nous de travailler sur ces questions émergentes-là qui concernent toute la communauté internationale. Donc, le plan de l'exposé, je vais vous présenter rapidement le cadre institutionnel, le cadre stratégique décennal. Ça, c'est un peu le travail qu'on s'était donné depuis le 10e sommet de Ouagadougou, qui s'est tenu en 2004. Les missions, l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, sa programmation 2010-2013. Les métiers et modes d'intervention, les projets et activités. Métiers et modes d'intervention parce que, effectivement, nous accompagnons nos pays en termes de formation et de renforcement des capacités sur les questions d'environnement et de développement durable. Le cadre institutionnel, donc je vous l'ai dit tantôt, c'est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Spécialement, l'institut a été créé en 88, comme je vous l'ai dit, au moment de la crise énergétique. Il s'est d'abord occupé que de l'énergie. Au fur et à mesure que les questions émergentes faisaient face, la question de l'environnement est arrivée. En 92, on ne pouvait pas parler d'énergie sans parler d'environnement. Et une des missions de l'institut, c'était d'assurer la formation et le renforcement des capacités des acteurs de la francophonie sur les questions d'énergie et d'environnement, mais dans une dynamique de développement durable. Déjà en 88, on était dans cette dynamique-là parce que ceux qui travaillaient autour de la question étaient des spécialistes. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, on travaille entre nous et on pense que c'est entre nous qu'on doit gérer la solution, alors que c'est l'approche justement transversale et intégrée qui est utile et qui permet aujourd'hui de voir cette synergie que nous sommes en train de vouloir développer avec tous les acteurs. Donc, on a dit tantôt que la francophonie était présente sur les 5 continents avec ses 77 membres et observateurs. Elle compte aussi 220 millions de francophones de par le monde, c'est bon à savoir. L'institutionnel comprend le sommet qui se tient tous les 2 ans, une conférence ministérielle, le conseil permanent qui se tient chaque année, de même que la conférence ministérielle. 10 directions, il y en a 6, dont les 5 sont basées à Paris. Nous sommes la seule direction qui se trouve à Québec, hors Paris. Et nous avons des unités hors siège, ce sont nos bureaux régionaux qui sont représentés dans pratiquement tous les continents dans lesquels où vous avez des francophones ou des francophiles, ce qu'on appelle, parce que nous avons des activités importantes aussi avec des pays qui politiquement se sont positionnés dans le groupe francophone par intérêt aussi de pouvoir parler la langue et par intérêt d'avoir un poids politique, parce que ça aussi c'est une réalité de la francophonie qui marche, comme dit le secrétaire général, sur ses 2 pieds. Les relations internationales sur le plan politique et la coopération sur le plan d'accompagnement de ces pays pour le développement durable. Donc ça aussi c'est... Alors, et nous avons aussi les opérateurs. Tantôt, on a parlé de l'Association internationale des maires francophones, qui est opérateur de la francophonie. Nous avons l'AUF, qui est l'Agence universitaire de la francophonie, qui comprend aussi environ 80 universités francophones. La TV5 Monde, qui est notre télévision, si on peut. Oui, TV5 Monde est opérateur. Et à l'Université Senghor d'Alexandrie, qui a été créée aussi en 90, juste après le sommet de Dakar. Alors, les organes consultatifs, c'est l'Assemblée parlementaire des francophones,
qui réunit les parlements francophones. Nous avons la CONFEMEN, qui est la conférence des ministres de l'éducation des pays francophones, et la CONFEJES, qui est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays francophones. Donc ça, c'est pour vous donner un peu tout ce que bon, la francophonie brasse comme activité. Et généralement, elle n'est pas très connue dans le domaine dans lequel nous sommes, mais elle est connue dans le domaine culturel, politique et culturel, et politique et linguistique. Donc, le cadre stratégique a été adopté à Ouagadougou en 2004, lors du 10e sommet. Et les trois grandes perspectives, c'était de faire vivre nos cultures. Parce que vous savez, comme je disais, on connaît bien la francophonie sur la langue, on le connaît sur les questions culturelles. Donc, c'est un peu notre métier, notre fonds de commerce. Ensuite, le vivre ensemble, qui prend en compte les questions de démocratie, de droits de l'homme, de paix. Et vous savez aussi que la francophonie est très présente sur ces questions-là. Malheureusement, c'est dans notre espace où nous avons toujours cette question de conflit aussi. Bon, mais cela s'explique aussi par la réalité socio-économique que vivent justement les pays de l'espace francophone en développement. Et le mieux vivre maintenant, ce que nous appelons le mieux vivre dans nos missions, c'est l'éducation, la formation professionnelle et technique dans laquelle nous évoluons aussi. À nouveau, c'est contribuer à la construction d'un développement durable et solidaire parce qu'on a pris en charge les questions émergentes sur le plan international qui sont développées et dans lesquelles nos pays sont parties prenantes. Alors, les missions de l'OIF, bon, c'est promouvoir la langue française, il y en a quatre, promouvoir la langue française de la diversité linguistique et culturelle. On pense toujours, on fait la promotion de la langue française, mais on est surtout pour le multilinguisme. On s'est dit que si une mondialisation doit exister, elle ne doit pas être unilingue. Parce que simplement, ça permet de réduire les visions. Et il faut que toutes les langues qui existent sur la planète puissent pouvoir se développer, se promouvoir, de même que les cultures, parce qu'on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'éducation sans introduire ces éléments culturels. La promotion de la paix, de la démocratie, droits de l'homme, je pense que ça, c'est inévitable aujourd'hui. Le mode de gouvernance est fondamental. L'association des populations dans la gestion de leur réalité constitue une des grandes questions sur lesquelles la francophonie évolue aussi. L'éducation, la formation, je l'ai dit, et développer la coopération solidaire au service du développement durable. Alors, l'Institut, il a été créé, je vous l'ai dit, il y a 25 ans. Son métier, son mode d'intervention, c'est la formation, offrir de l'expertise, de la concertation, aussi la valorisation et le partage des bonnes pratiques. En termes de formation, nous faisons beaucoup d'ateliers, de séminaires, de stages professionnalisants et aussi des séjours d'études. Généralement, on a un site, le site de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui offre justement ces formations-là. Ceux qui sont intéressés peuvent aller sur le site et s'inscrire. Et généralement, c'est comme ça que ça marchait. Bon, on est en train de voir cette programmation-là. 2015, c'est une autre programmation qui va commencer. Probablement, on va faire le bilan et revoir le mode d'intervention. Alors, l'offre d'expertise, comme nous l'avons dit tantôt, ça fait partie de notre métier pour faciliter la compréhension de ces questions techniques-là dont les pays en développement, nos pays en développement ont besoin pour pouvoir prendre en charge ces questions, qu'elles soient de développement durable, précisément d'énergie et d'environnement, ce sur quoi nous avons principalement travaillé. Mais aujourd'hui, avec cette dynamique d'approche intégrée et transversale pour le développement durable, donc toutes ces dimensions sont intégrées dans l'expertise que nous offrons. Donc des projets de démonstration, vous allez en avoir après avec le projet que M. Diop va nous présenter, parce que notre mission c'est d'identifier tout ce qui est expérience réussie pour pouvoir la mettre à la connaissance de nos experts et de nos acteurs et voir comment les valoriser et ensuite assurer une certaine mutualisation. D'où l'intérêt du partenariat que nous essayons de développer avec UN Habitat dans l'exercice concernant les villes durables. La valorisation et le partage de bonnes pratiques donc s'inscrivent dans ce sens-là et nous faisons beaucoup de publications
Nous ayons aussi, on a des revues, on en parlera après, des colloques et séminaires. Et bon, comme je l'ai dit tantôt, on a un site internet qui est très bien achalandé. Nous recevons environ 32 millions de pages vues par année. C'est le site Médiateur, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais c'est un site qui est aujourd'hui positionné comme le premier site qui offre de l'information sur le développement durable en français sur la toile. Donc c'est important à savoir pour l'espace, les acteurs de l'espace francophone. Donc ce que nous, je vous donne rapidement l'organigramme de l'Institut. Donc on a quand même deux axes. Les objectifs, c'est contribuer par la coopération aux efforts de réduction de la pauvreté dans une stratégie de développement durable. Je vous l'ai dit, en 2004, en prenant justement, en élaborant ce cadre stratégique, l'objectif fondamental, c'était la lutte contre la pauvreté, mais dans une dynamique de solidarité pour le développement durable. Vous savez effectivement qu'on sortait en ce moment-là de Johannesburg 2002, où les questions de développement durable avaient été mises en exergue. Il avait été demandé à tous les pays de la communauté internationale de s'engager dans cette dynamique de développement durable. Donc la francophonie a fait la même chose. Et comme elle a beaucoup de pays en développement et les pays les moins avancés, pratiquement tous les pays les moins avancés du continent africain ou du continent qui sont francophones se trouvent dans notre organisation. Alors les deux grands axes, c'est l'élaboration des stratégies nationales de développement durable et la participation de nos pays au processus multilatéral de régulation, dont un aujourd'hui concernant le forum de UN Habitat. Généralement, on travaille sur les conventions Génération Rio, mais là, avec ce forum-là, c'est une autre nouvelle activité que nous allons démarrer. Donc, dans ces deux axes-là, pour les stratégies nationales de développement durable, on travaille beaucoup sur les capacités institutionnelles de nos pays. Comment justement travailler sur l'élaboration des stratégies nationales de développement durable? On sait que les pays ont besoin d'outils techniques, scientifiques, ont besoin aussi d'outils institutionnels pour ceux qui le savent. Je pense que dans tous les pays pratiquement maintenant, on a soit des commissions nationales de développement durable, soit des comités qui travaillent dans ce sens-là. Le deuxième programme que nous développons, c'est la diffusion de l'information pour le développement durable. Je vous parlais tantôt de médiateurs, mais nous avons aussi des revues que nous publions et aussi nous faisons beaucoup de publications en termes de fiches techniques et en termes aussi de guides pour les négociateurs ou pour tous ceux qui est intéressé par les questions techniques dans lesquelles nous évoluons, sur lesquelles nous évoluons. La maîtrise des outils de gestion de l'environnement pour le développement durable, on viendra là-dessus rapidement plus tard, mais c'est un peu ce que nous appelons les études d'impact environnemental, les analyses stratégiques environnementales, l'économie de l'environnement, l'économie verte, le droit de l'environnement. Tout ça sont des formations que nous essayons de donner à l'endroit de nos acteurs pour les outiller techniquement pour faire face à la gestion justement de ces questions-là. Et sur un autre plan, bon, ça fait un peu l'objet de ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est les capacités pour élaborer des politiques énergétiques adaptées. Donc le programme Ville Durable s'inscrit dans cette dynamique-là. Et M. Jean-Pierre Boutou, qui en est le spécialiste de programme, vous présentera aussi les programmes de renforcement des capacités que nous faisons à la matière. Pour ce qui est de la participation à la régulation multilatérale, nous accompagnons nos pays sur trois conventions. La convention sur le changement climatique, la convention sur la biodiversité et la convention sur la lutte contre la désertification. Il y en a beaucoup, mais on ne peut pas effectivement faire tout ce qu'on veut. Mais là, on a choisi cette convention issue de Rio pour pouvoir accompagner nos pays qui sont les plus aujourd'hui demandés et concernés par les thèmes qui sont discutés. Je vous parlais tantôt de ces stratégies-là, je vous l'ai dit, c'est ça, donc c'est d'agir sur les capacités institutionnelles. Et en termes d'activité, ça donne justement les cadres institutionnels qui doivent être renforcés, qui se présentent sous forme de commissions, de comités. Elles sont soit nationales, soit régionales, soit locales, pour tout ce qui concerne le développement durable, avec une dynamique d'approche transversale. La même chose pour la revue par les pairs. La revue par les pairs aussi est un moyen dont nous disposons et que nous essayons de faire valoir à travers les échanges que les pays peuvent avoir. Nous avons des pays qui sont mieux outillés que d'autres, donc
La mutualisation dans le cadre de cette solidarité-là passe par là, par l'exercice de revue par les pairs, où un pays qui a fait l'expérience peut aller justement travailler avec un autre pays pour pouvoir lui montrer quelles sont les difficultés qu'il faut éviter dans ce sens-là. Des questions relatives aussi à certains outils qui sont aussi fondamentales dans la dynamique actuelle, les modes de production et de consommation durable et la responsabilité sociétale. Vous savez que ce sont des questions qui se retrouvent aujourd'hui dans la déclaration de Rio plus 20, donc qui ont été développées depuis une bonne dizaine d'années, depuis après Rio 92. Donc, nous essayons aussi d'être présents sur ces questions-là, et ça en rapport avec les acteurs du système des Nations Unies qui travaillent là-dessus, donc la responsabilité sociétale et les modes de production et de consommation durable. Alors, je vous parlais tantôt de publication. On a fait, par exemple, là, nous avons un guide qui a été élaboré concernant les stratégies nationales de développement durable, ici concernant la responsabilité sociétale, et là vous avez sur la gouvernance optimale du développement durable. Donc c'est pour vous dire simplement, non seulement nous avons ce travail théorique à faire, mais on essaie de mettre quelques outils techniques à la disposition de nos pays pour qu'ils puissent suivre, avoir ça à portée de main. Et là c'était une occasion en Côte d'Ivoire, du lancement de la stratégie nationale du développement durable. Alors, l'information sur le développement durable, je vous disais tantôt qu'on a notre site médiateur qui est aujourd'hui coté comme le premier site qui donne l'information en français sur la toile. Et il y a 28 portails thématiques et géographiques qui traitent de pratiquement toutes les questions qui sont discutées sur le plan international. Et l'idée pour nous, c'est de mettre les informations à la disposition de nos acteurs de l'espace francophone en français pour qu'ils puissent non seulement suivre les discussions sur le plan international, mais aussi utiliser justement ces informations-là pour eux-mêmes. Et là, on édite aussi une revue trimestrielle qui s'appelle Liaison Énergie et Francophonie et qui sort chaque 3 mois. Qui sort chaque 3 mois et qui est avancée, qui est tiré à 3000 exemplaires et dont les qui est tiré à 3000 exemplaires et dont les acteurs francophones peuvent contribuer et ils peuvent aussi justement participer à la diffusion de ces revues-là. La même chose pour un autre trimestriel qui s'appelle Objectif Terre qui essaie de mettre à disposition des acteurs toutes les informations sur les négociations internationales dans les différents domaines dans lesquels nous travaillons. Alors ça c'est un peu la page de Médiateur, bon c'était pour Rio 2012, donc il a été bien actualisé, bon comme je vous dis, il y a 28 portails thématiques et vous avez environ 32 millions de pages lues, on a 2000 abonnés, donc ça vous montre un peu l'importance que les pays accordent aussi à cet outil-là en français, le pays francophone. Et là, vous avez un peu les exemplaires de cette revue-là dont je vous ai parlé. La même chose pour la revue concernant Objectif Terre. Tout ça est disponible et si vous vous inscrivez, il y a la possibilité de vous le faire parvenir aussi. Alors, la maîtrise des outils de gestion, je vous parlais tantôt de ces outils-là, que ce soit l'étude d'impact environnemental, l'analyse stratégique, l'économie de l'environnement, le droit de l'environnement, qui sont des outils dont les acteurs ont besoin pour mieux comprendre ces enjeux-là et qui peuvent expliquer le pourquoi justement de la transversalité. Alors, on travaille beaucoup sur ça avec l'APF aussi, avec la IMF, de temps en temps on a des programmes ensemble et nous travaillons aussi en partenariat avec l'OCN sur ces questions-là. Donc, c'est pour vous dire que nous avons la latitude aussi d'ouvrir le partenariat sur ces questions-là. Et chaque fois qu'un pays est demandeur, donc nous essayons de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire dans le pays, parce que, comme vous le savez, la francophonie n'est pas bailleur de fonds. La francophonie accompagne généralement, facilite, et quand elle arrive sur une question, elle souhaiterait toujours que le pays ait un partenaire bailleur de fonds qui puisse partir avec elle sur ces questions-là, pour que ça ne soit pas des questions qu'on fait ponctuelles, quoi, que ça s'inscrive dans la durabilité. Alors, la politique énergétique, donc je laisserai Jean-Pierre parler de ça, parce que ça va
pourra être une partie de sa présentation, mais c'est pour vous dire un peu, nous sommes en train de développer pour l'utilisation durable de l'énergie et aussi l'élaboration des politiques énergétiques appropriées. Et là, on travaille sur un élément qui est important aussi, c'est un pôle intégré d'excellence en énergie, en rapport avec l'agence universitaire de la francophonie. C'est comment disposer d'instituts d'excellence sur ces questions énergétiques-là, dans l'espace francophone, dans les pays en développement, que les institutions dont nous disposons, dont les pays disposent, puissent aussi se positionner de la manière la plus forte pour accompagner les acteurs dans la formation. Et là, nous avons une expérience avec l'Afrique de l'Ouest, c'est 2IE de Ouagadougou, c'est IFER, l'Institut des hautes études de Bénède d'Abidjan, et c'est Enda Thiermon qui est basé au Sénégal et qui forme aujourd'hui ce pôle-là, qui est en train d'être expérimenté. Alors, l'appui aux opérateurs et aussi la mise en place de systèmes nationaux d'information énergétique. Pratiquement, beaucoup de nos pays sont déjà dans ce programme-là. Le Cameroun l'a bien fait. Actuellement, on est avec la RDC. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont de l'Afrique de l'Ouest qui sont déjà, lui et moi, et avec nous là-dessus, pour pouvoir l'étendre à tous les pays membres pour qu'ils puissent disposer d'un système d'information énergétique leur permettant de connaître le potentiel dont ils disposent pour pouvoir élaborer une politique appropriée. Alors, bon, ça c'est un peu aussi, parce que ce que je vous ai dit tantôt, chaque fois qu'on travaille sur un dossier, on essaie de publier pour que ça puisse rester et pour que ça puisse aussi être mutualisé, diffusé et que les gens, les autres acteurs puissent en bénéficier. Parce que souvent, ceux qui sont concernés, c'est une population assez restreinte. Et là, en les mettant sous forme de publication, on permet à d'autres d'en bénéficier. Alors, je vous parlais aussi tantôt des négociations internationales qu'on suit. Et qu'est-ce qu'on fait? On prépare les négociateurs pour les négociations internationales sur le climat, la biodiversité, la lutte contre la désertification. Et on essaie aussi d'organiser des réunions après justement ces conventions-là pour faire comprendre aux gens les conventions c'est une étape, mais ce qui est décidé au plan international a été discuté au plan national pour remonter au plan international, mais en le ramenant aussi, il va falloir que les pays se positionnent pour pouvoir avoir des institutions, des cadres juridiques qui prennent en compte les recommandations qui se trouvent dans ces conférences internationales-là qui ont été discutées. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous faisons aussi. Bon, ça, ce sont des guides du négociateur qu'on produit, un résumé. Et là, ce qui est intéressant, ce guide, nous l'avons fait parce qu'on a pensé que nos pays étaient défavorisés à cause de la langue. Aujourd'hui, ces guides sont traduits en anglais, en espagnol, en arabe, parce que les autres pays demandent la traduction. Donc, souvent, l'UNEP, le PUE nous aide, ou l'ACDI nous aide dans la traduction de ces guides-là, que nous mettons à la disposition maintenant de tous les pays en développement, parce que c'est utile. Donc, ce n'est pas. Alors, là, par exemple, on a une chose sur le climat. Donc, c'est des études prospectives qui existent et qui sont disponibles dans notre site et qui peuvent être utilisées aussi. On a fait pas mal de webs, ça a été traduit en anglais aussi, à la demande de des pays. Donc ça, c'est toujours les documents dans leur version anglaise. Donc, alors ça, par exemple, c'est l'atlas de l'empreinte écologique, la biocapacité des pays membres de la Francophonie. C'est un outil intéressant. On l'a présenté l'année dernière, oui, en novembre-décembre à Varsovie, à la conférence des parties sur le climat. Parce que ça permet au pays de connaître son potentiel et de savoir comment organiser une politique, qu'elle soit agricole, qu'elle soit énergétique, forestière, en fonction du potentiel dont on dispose. Parce que souvent, on n'a pas de tableau de bord dans nos pays, on prend les décisions et on a vu en faisant ce travail-là avec l'UICN et Global Footprint, qui est un bureau d'études qui travaille là-dessus,
Sur les 40 pays qui ont été testés, les trois quarts sont en deçà de leur potentialité. Donc, ils utilisent plus que leur environnement, leur bonne matière de ressources naturelles. Donc, voilà un peu, je voulais vous donner un peu ce que fait l'Institut de la Francophonie pour le développement durable. En termes d'outils, il faut que, c'est vrai, on parle de la francophonie et de l'Afrique comme prochain continent où la croissance devrait se faire. Mais pour faire cette croissance, on a besoin d'outils techniques, scientifiques, institutionnels. Et nous pensons que, dans le cadre justement de cette dynamique-là, nous devons accompagner le pays, faciliter la maîtrise de ces outils-là, pour que justement cette ambition que nous avons de faire de nos pays, des pays en croissance et des pays émergents, que cela puisse être une réalité. Donc voilà la présentation sur l'Institut pour vous donner un peu l'idée de ce que nous faisons, mais nous sommes à la disposition de nos pays pour tout besoin complémentaire d'information. Notre site est là et aussi, voilà, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup.